Moi, je travaille avec des lycéens. Et bon, voilà, plus d'une trentaine de lycées dans la région parisienne, en Lorraine, en Auvergne-Rhône-Alpes, en région PACA. Depuis 3 ans, je travaille sur les questions de radicalisation, avec aussi des professionnels, c'est-à-dire des enseignants, avec des gens qui sont des travailleurs sociaux, avec des délégués du préfet, avec des gens de la pénitentiaire, de la protection judiciaire, de la jeunesse, etc. Et en immersion, c'est-à-dire je suis vraiment, par exemple, je connais la majorité des hôtels Ibis, pas du style, mais budget de la banlieue parisienne ou de la banlieue lyonnaise, pour écouter. Car la première démarche laïque, c'est en effet d'écouter ce que les gens veulent dire, et essayer de tout faire pour libérer la parole. Mais on ne peut pas s'en tenir là. Alors sur la question de l'égalité, pourquoi l'actualité est en permanence marquée par des violences faites aux femmes, par des inégalités qui existent dans presque tous les domaines? Pourquoi est-ce que on voit à quel point la question sexuelle, sous la forme de harcèlement ou autre, c'est à nouveau à l'actualité? Je pose la question aux lycéens. Ils ont immédiatement la réponse. Mais madame, c'est la tradition, c'est la religion, c'est le livre, ça s'est toujours fait comme ça. C'est fait des raisons. 17 ans, 16 ans, 18 ans, ils vous disent « Ah, mais c'est la tradition. » Et quand on va plus loin, notamment les filles, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, de toute façon, cette première histoire, elles l'ont bien cherchée. Donc, c'est nos adolescents hein, qui répondent ça. Autrement dit, la question, et c'est celle qui me préoccupe, c'est la question des mentalités. On a terriblement fait évoluer les textes, mais qu'est-ce qui se passe dans ce décalage entre les textes et les mentalités? Et puis il y a des phrases comme « Ah, vous savez, il y a celle avec qui on s'amuse, et puis celle avec qui on se marie. » J'ai toujours l'impression que je remonte les siècles. Alors, quand je leur dis, vous savez, ce qui est à la base de la laïcité et de la République et de 1789, l'égale dignité des personnes, ils n'en ont jamais entendu parler. Ils ont entendu parler de l'égalité des droits, mais pas de l'égale dignité des personnes, qui a permis, en 1792, de créer l'État civil. Nous avons été le premier pays à créer un État civil, le grand registre des citoyens, tenu par un élu, le maire. Et sur ce registre, toute personne est notée de la naissance à la mort, avec les actes importants de sa vie. Et ce grand registre des citoyens, je cite, « sans distinction de rang, ça veut dire de milieu social et d'ordre, de sexe ou de religion ». Combien y a-t-il aujourd'hui de pays dans lesquels, c'est l'un des drames pour les réfugiés qui viennent en Europe, ils ne peuvent pas avoir d'état civil, ils ne peuvent pas avoir de document d'identité, ils ne sont donc pas des sujets de droit identifiés, parce que leur pays ne part pas de la notion d'égale dignité des personnes, ce qui a permis aux protestants d'être reconnus comme citoyens au moment de la Révolution française et aux juifs d'être reconnus comme citoyens. C'est ça la base. Curieusement, on n'en parle pas beaucoup. Jules Ferry, dans les lois sur l'école, les lois qui, elles, parlent de laïcité, les lois sur l'école, disent que c'est l'idée de l'égale dignité des personnes. Et là, on s'aperçoit qu'on peut discuter de façon beaucoup plus universaliste qu'on croit sur cette question de dignité de la personne. Alors, on parle de religion. Je ne sais pas si vous avez lu ce remarquable livre qui s'intitule « En tenue d'Ève », écrit par une femme, rabbin, française, il y a des femmes dans le judaïsme qui sont rabbins, et Delphine Orner,
montre, et c'est une très longue et vraie exemple, à quel point tout a été affaire de traduction. Tout a été affaire, et ça rejoint la question que vous posiez, tout a été affaire d'interprétation des textes. Et interprétation des textes en fonction du contexte historique. Et la pensée symbolique permet pas mal de souplesse, même sur les fantasmes. Alors, à partir de là, on s'aperçoit aussi, et je citerai le grand rabbin Sitruk, qui me disait, vous avez tout à fait raison, Jacqueline, il y a des choses que l'on peut dire par rapport aux grands principes. Alors je lui dis, mais alors pourquoi certaines pratiques? Pourquoi continuez-vous les pratiques? Il me disait, mais les êtres humains ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de répéter. Et ils ont besoin, finalement, d'avoir cette sécurité, ils ont l'impression que depuis des millénaires, ça a toujours été comme ça. Alors, on continue. Et qu'est-ce qui donne l'impression de la continuité? Ce sont les pratiques les plus simplistes, simplistes sur quelque chose de très important. C'est la distinction entre le pur et l'impur. Et c'est ça le fondement de la discrimination entre hommes et femmes. C'est qu'il y a ceux qui sont porteurs de pureté et les femmes impures, pour des raisons physiologiques que vous pouvez imaginer. Et c'est aussi le pur, le croyant, le bon croyant. Toutes les religions du livre parlent du bon croyant. Et puis les autres, les impies, les mécréants. C'est-à-dire on est dans des lignes de démarcation, dans des lignes de ségrégation, mais qui donnent quoi? Une explication du monde. Qui donne une vision du monde et qui, en plus, est prédictive. Parce que ça va se passer comme ça. Alors, c'est la pensée stéréotype, des stéréotypes, qui correspondent à ce que le psychanalyste Jung appelait les archétypes. Et travaillant sur la radicalisation et sur les sites islamistes, par exemple, et travaillant aussi sur les textes du Tea Party, travaillant sur des sites concernant les juifs orthodoxes, et évidemment sur certains textes catholiques, on s'aperçoit que ces lignes de démarcation sont celles qui sont à la base des discriminations. Je ne développe pas, mais vous voyez très bien comment on peut faire avec les élèves là-dessus, ça les passionne. Alors pour aller vite, la relation dissymétrique vous donne pour les uns, la possibilité d'exister comme un être supérieur. Un adolescent me disait, écoutez, je suis nul à l'école. J'ai l'impression que je ne vais pas trouver facilement de travail. Je peux faire un peu de business. Mais il y a une chose qu'on ne va pas m'enlever. C'est mon identité en tant qu'homme. C'est là où vous ne pouvez pas me contester. Alors je lui ai dit, pour moi, que dans ton identité d'homme, il n'y a pas une part de féminité. Ah non, madame. Et là, quand on parle de la ségrégation à l'égard des femmes, il faut parler aussi à l'égard des homosexuels, c'est-à-dire les hommes qui ont une part de féminité en eux, et trop voyants. Donc c'est logique, c'est bien construit, et ça vous permet, en effet, d'être dans un monde où il y a des particularismes, et que ces particularismes, on peut les enrober de culture, etc. Mais au fond, tout à fait au fond, il y a quelque chose, et c'est pour ça que je vous remercie de votre exposé, Aurélie aussi, c'est il y a le corps. Et ça, c'est fondamental. Alors, c'est le deuxième point que j'aimerais vous dire. Qu'est-ce qu'ils font nos religieux? Pourquoi est-ce qu'ils ne nous parlent pas du sens de la vie? Pourquoi est-ce qu'ils ne nous parlent pas de la signification de la souffrance? Pourquoi ils ne nous parlent pas de la mort? Pourquoi ils ne nous parlent pas de l'amour? Pourquoi ils ne nous disent pas que l'une des grandes vertus républicaines, et je vous assure que les ados, quand je leur en parle, ils disent « Ah, ça les libère, c'est l'amitié. » Qu'est-ce que c'est l'amitié? C'est un lien d'affection, c'est un lien d'affinité intellectuelle, c'est un lien de partage, mais qui n'est pas sexuel. Je vous rendez compte, vous, garçons, comment ça peut vous libérer
Vous pouvez être dans une relation avec une jeune fille, une femme, sans que vous ayez à être un sexe sur patte 24 sur 24. Et vous, fille, vous n'êtes pas femme 24 sur 24. Il y a des heures où c'est mieux. Mais pour le reste, quand vous allez travailler, quand vous étudiez en classe, etc., ou quand vous avez des problèmes, et vous pouvez avoir une vie, puis c'est pas sexué. Par contre, il peut y avoir des problèmes sexués sur le plan du corps. Les républicains de la Troisième République ont posé cette idée que la liberté et l'égalité pouvaient se traduire par une fraternité, Jean-Pierre l'a dit. Une fraternité qui n'est pas de sang, mais qui est une fraternité qui est dans le partage de l'espèce humaine. Le lien qui existe, quel que soit le sexe, la religion, etc., ça c'est des choix, pour la religion, les autres non. Et ce lien de l'espèce humaine va contre toutes les autres ségrégations. Et dans les relations individuelles, l'amitié, c'est celle du choix, du consentement. Eh bien, quand on parle comme ça aux ados, sont ravis. Alors, c'est ça la laïcité? Ben oui. Alors, justement, moi, je me pose la question, pourquoi cette obsession religieuse sur la laïcité? Sur la... Je dis c'était la laïcité, la sexualité, et plus particulièrement, la sexualité des femmes. Il se trouve qu'autrefois, j'ai fait un mémoire d'histoire du droit sur le droit de l'homme. C'est exactement la même chose que les tabous et interdits avec les mêmes sanctions, quasiment, que les textes islamistes aujourd'hui. Alors, vous avez vraiment tout. C'est-à-dire que, et notamment, il y a des textes sur les périodes menstruelles des filles. Ces périodes où elles sont impures, elles ne peuvent pas montrer leur corps, évidemment, elles ne vont pas à la piscine, évidemment, elles ne sont pas très loin, elles ne se lavent pas les mains, c'est curieux, d'ailleurs, c'est plutôt le moment où il faudrait se laver, mais non, non, pas. La procréation, la virginité au mariage. Alors, quand vous dites à des adolescents, mais ça, c'est un choix individuel. Si tu veux être vierge au mariage, tu peux le choisir. Mais la loi civile n'imposera jamais ça comme une condition du mariage. C'est toute la différence. Et donc, on rétablit la notion de choix, la notion de consentement, la notion de liberté. D'ailleurs, c'est très intéressant, les derniers textes du pape François, à propos de l'homosexualité, dit qu'il ne faut pas condamner en soi, il faut réindividualiser sur ce que ça signifie dans la vie de l'individu. Autrement dit, la laïcité progresse. Alors c'est vrai que les textes sont assez terribles, parce que la marque, les mutilations sexuelles, les règles concernant les relations sexuelles, qui se traduisent dans les règles du mariage, qui se traduisent aussi dans les sanctions de l'homosexualité, ou ne parle pas. Moi, je travaille avec quelqu'un qui a été arrêté par la police du mauvais voile, 12 000 policiers spécialisés dans la police du mauvais voile. Quand vous ne portez pas le voile réglementaire, c'est mieux maintenant qu'à l'époque où ça s'est passé pour elle. Elle a été mise en prison, elle portait un voile. Il était trop léger. On voyait les cheveux. Il n'avait ni la couleur, ni l'épaisseur pour le couper. Ça voulait dire être interné avec les prostituées. On ne parle pas simplement de petits dansés charmants et d'une fille voilée. Non. Interné avec les prostituées. Elle a subi les sévices que subissent les prostituées en prison. Elle a réussi à s'échapper avec une peau d'épée. Elle a vécu 3 ans dans la clandestinité dans son pays. Alors, je voudrais vous dire qu'on a une terre d'asile pour les gens qui fuient une persécution religieuse. Quand on vous dit « Ah, mais c'est son choix », et alors ? Et alors ? Elle est peut-être assise à côté de quelqu'un qui a été persécuté pour des raisons religieuses. C'est ça, la laïcité. Vous pouvez faire des choix pour cette terre, mais vous ne pouvez pas imposer ce choix personnel comme une liberté qui va
complètement annihiler la liberté de l'autre. Alors, oui, penser que terre d'asile, peut-être pas suffisamment, mais terre d'asile pour les homosexuels qui ont fui la lapidation, pour des femmes adultères qui ne pouvaient plus rester dans leur village, celles qui ont eu des enfants hors mariage, etc. C'est ça dont nous parlons. Je pourrais vous parler des droits musulmans, j'en ai fait beaucoup. J'ai été dans un jury de thèse aussi sur le droit des bédouins du désert, j'ai beaucoup étudié le droit canon, etc. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est de savoir comment dans notre vie sociale aujourd'hui, les responsabilités que nous avons, appliquer des règles qui sont contraires à la liberté du corps, la liberté de choix dans les relations individuelles, c'est tout cela qui est en cause. Et ce que Jamila, vous avez très bien dit, et merci, ça veut dire l'instrumentalisation politique. On pourrait vous faire dire n'importe quoi, et les gamins qui se radicalisent aujourd'hui, ils font dire n'importe quoi à la rue. Donc sur fond d'ignorance, sur fond de fantasme, on peut faire dire n'importe quoi. Vous vous souvenez du beau film israélien Kadosh? Kadosh, bien pur. Vous vous souvenez du film comme dit Bobutu? Je l'ai vu avec des lycéens qui me disaient, oh mais madame, on peut arriver à ça parce qu'on est habillé comme ça, parce qu'on fait de la musique. Oui, la musique, c'est un signe de dépravation. Pour des intégristes. Alors, il ne s'agit pas de faire des catégories de population, contrairement à ce que font les intégristes, il s'agit de réfléchir aux libertés et aux droits fondamentaux. Et donc, de rappeler ce que c'est que la laïcité. Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est limpide et cohérent. Ceux qui veulent attaquer la laïcité vont vous dire qu'il y a autant de conceptions de la laïcité que de personnes. C'est stupide. Vous savez, c'est comme dans le proverbe chinois. Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Eh bien, on confond la valeur, la philosophie, le principe, le corpus juridique, la méthode de pensée, le mode d'action qui sont contenus dans le concept, c'est un concept juridique, un concept politique de la laïcité, avec qui s'attaque contre la laïcité. Et alors ça devient quelque chose qui finalement est à l'image de ce que beaucoup de pratiques religieuses font. On fait la liste de ce qui est permis et de ce qui est interdit, et puis avec les sanctions, mais non pas dans la laïcité. Faites le tableau de la naissance à la mort. Combien d'interdits? Combien de tabous? Combien de sanctions? Alors, c'est la main d'une femme? Non, madame, c'est pas possible. Les femmes sont impures. Tiens, où est-ce que tu as vu ça? Ben vous savez, c'est la fornication. La fornication. Oui, on sort le portable. Une application. J'ai travaillé ça avec des amis tunisiennes, parce que je suis l'homme dialogue euro-arabe depuis 14 ans. Et on ne fait pas de stigmatisation. Au contraire, on travaille avec les amis qui, dans les pays musulmans, se battent pour leur liberté, pour leurs droits. Donc on applique. Et dans l'application, on voit. Serrer la main d'une femme égale fornication égale tant de points en moins pour aller au paradis. Donc, on est là sur des choses tout à fait fondamentales. Je vais vite, je pourrais en dire beaucoup plus, mais je vais juste dire deux choses. Je me suis donc posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et on a vu dans la... On voit, ça peut rassurer, on peut savoir qui est pur, qui est impur. Oh, j'ai au moins une identité, j'ai au moins une identité d'homme, celle-là, vous ne pouvez pas la retirer, etc. On voit très bien les ressorts psychologiques, on voit très bien aussi comment la police des mœurs est derrière tout cela. La police des mœurs, c'est la police des corps, c'est la police de la sexualité. Mais pourquoi alors
et ça a été dit, tant de personnes intelligentes qui auraient tous les moyens d'analyser ça se laissent prendre à une logique qui est, si vous critiquez les pratiques, vous critiquez la religion. Non. Vous savez, justement, dans l'islam, il y a quelque chose de très beau que vous retrouvez dans les autres religions. Si tu veux prier Dieu, ne le fais pas en public. Ne te montre pas. Va à l'ombre d'un buisson. Vous trouvez ça dans le judaïsme et dans les religions chrétiennes. Mais vous le retrouvez aussi dans d'autres religions. Tu te mets à l'ombre d'un buisson, et là, dans le calme, tu peux t'adresser à Dieu. Quand je lis ça, déjà, ils sont déjà dans un processus de radicalisation, ils disent, ah mais oui, c'est vrai, madame. Parce que c'est ici, c'est dans le cœur. Et la pudeur, c'est où? C'est un bout de tissu? Ah non, madame, c'est ici, c'est dans le cœur. C'est-à-dire qu'ils retrouvent. Et quelque chose de tout à fait universel. Si tu veux vraiment être authentique dans ta façon de croire ou pas à une transcendance, il y a des spiritualités sans Dieu, eh bien, il faut que tu te retrouves toi, il faut que tu fasses un travail sur toi, et ça je peux le traduire dans plusieurs langues, un travail sur toi, mais tu n'es pas là pour convaincre par l'épée, et considérer l'autre comme un sous-homme, comme un impie, comme un mécréant, qu'il faut éliminer comme une tâche. Mes jeunes radicalisés, ils retrouvent exactement le langage nazi. Concernant les juifs, ce sont des tâches, on les élimine. Alors, pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un ressort qui est très intéressant à étudier, c'est la victimisation. Ah, c'est formidable de la compassion à l'égard des victimes. Alors, selon les époques, ça change. C'est Balzac qui disait, un bourgeois se sent d'autant plus grand qu'il peut donner un sou à la sortie de la messe au pauvre qui est à la porte. Il y a, pour certains, ça a été les prolétaires, les sous-prolétaires. Aujourd'hui, c'est plutôt les jeunes des banlieues. Il y a une vision grandescendante, paternaliste, qui fait qu'on va tout expliquer et qu'on va enfermer dans des identités essentialisées et assignées. Jean-Pierre en a parlé, c'est formidable, ils sont victimes, ils seront toujours victimes. C'est les pauvres maquis, c'est les nuls. Mais on est généreux, non. Alors, la position de générosité vous donne une position de supériorité. Vous donne, en plus, c'est formidable, supériorité, quand on est généreux, on est bien ensemble. C'est extraordinaire, on gagne son ciel comme ça. Alors cette victimisation, ça a été très bien étudié par François Fanon, ça a été étudié par Albert Mamie, ça a été étudié fort bien aux États-Unis, comment on a maintenu, par exemple, avec la notion de minorité ethnique, de groupe visible, des gens dans des identités qui étaient des identités infériorisées, dépréciées. Et cette victimisation, c'est versus le paternalisme. Et là, ça a une force, cette logique victimisation-paternalisme, au point que ceux qui sont dans le rôle de victime, ça a été très bien étudié aussi par un sociologue américain qui s'appelle Arvin Goffman, a montré que le plus grand danger qui guette les gens qui ont été mis dans une situation d'infériorisation, c'est de vivre et de se revendiquer comme victime. J'existe parce que je suis victime. Et c'est la revendication du stigmate. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de se stigmatiser, on se revendique soi comme stigmatisé. Entre nous, vous savez, le stigmate, c'était les signes sur le corps de la Passion du Christ. Plutôt drôle, si je stigme. Et je vais terminer. Donc, tu vois, entre eux, pardon, non, mais c'est pas à toi que je pensais, c'était quand vous travaillez là-dessus, à ce moment-là, vous comprenez l'un des ressorts de la radicalisation des jeunes actuellement. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ce processus. Ils veulent devenir des héros, des combattants.
un homme nouveau. Ils utilisent l'homme nouveau sur les sites islamistes. Vous avez la notion d'homme nouveau. Mais l'homme nouveau, on l'a utilisé dans la Bible. On l'a utilisé dans les idéologies totalitaires. Et en Union soviétique, c'était l'homme véritable. Vous vous rendez compte? La seule façon de sortir de la stigmatisation du rôle de victime, c'est de dire non. J'ai envie d'être un combattant. J'ai envie d'être un héros. Alors, soit on défend la laïcité avec l'égale dignité des personnes, avec l'idée que toutes les idéologies, tous les systèmes de pensée et d'explication du monde peuvent être critiqués dans leur pratique, dans ce que cela donne dans la vie courante. Parce que derrière, il y a aussi, dans la revendication d'être victime, quelque chose qui est terrible, c'est l'enfermement dans la mésestime de soi. On vous donne des petits bouts de liberté de temps en temps, mais vous restez de toute façon dans une relation qui a été celle de coloniser. Comment se fait-il que des centaines de millions de personnes aient quitté les anciens pays colonisés pour venir vendre leur force de travail chez le colonisateur? Comme moi. Oui, non, mais je veux dire, et ça c'est exactement ce dont il faut travailler. Et avec la laïcité, on retrouve en effet la dignité, l'égale dignité des personnes. Donc c'est bien ça qui est en jeu. Et l'égalité homme-femme, c'est aussi l'égale dignité des personnes. Voilà. J'aurais bien aimé vous dire plus de choses, mais on va discuter.